Et bonjour YouTube, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un truc vraiment trop important, se déplacer comme les PGM. Non, en vrai, c'est pas si compliqué, vous pouvez très rapidement avoir le coup de main. Et du coup, c'est assez bête, mais c'est assez cool. En gros, vous avez le déplacement simple, vous le connaissez, donc le clic droit, mais en fait, ou le clic gauche, hein, peu importe, mais justement, on va vous apprendre à vous déplacer correctement dans cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de débutants dans ma guilde qui ne savent pas ce que je vais vous apprendre là. En fait, vous voyez par exemple, là, il y a un joueur. En fait, ce joueur, en soi, vous voyez, j'ai beau cliquer dessus, je ne pourrais jamais me mettre à son emplacement. De même pour les monstres, de même pour les arbres. Là, par exemple, je veux me mettre à côté de cet arbre. Automatiquement, vous voyez, mon perso, il va commencer à le miner. J'essaye de me mettre juste derrière et je vais tout le temps le miner. Là, vous voyez, il y a un joueur. Là, j'arrive pas à aller sur son emplacement. Vous voyez, faut que je clique à côté un petit peu comme ça, parce que je n'arrive pas à me déplacer. Et ben en fait, c'est pas compliqué, c'est parce que il vous faut utiliser deux choses. Le clic droit pour vous déplacer. En fait, le clic droit va pas regarder les entités. Regardez là, j'arrive à me déplacer sur le joueur sans problème, alors que le clic gauche, vous voyez, je le sélectionne. Et là, pareil, l'arbre, vous voyez, je clique dessus avec le clic gauche, ça ne marche pas. Mais si je fais clic droit, je peux me déplacer où je veux, vous voyez, il n'y a pas de problème. En fait, pourquoi? Parce que vous devez utiliser le clic droit et le clic gauche. C'est pas compliqué, mais il y a des gens, mine de rien, qui ne le savent pas. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous expliquer. Le clic droit ne doit être utilisé que pour les déplacements. Donc, soit vous restez appuyé en clic droit et vous voyez, vous vous déplacez tranquille. Ou soit vous cliquez droit là où vous voulez. Et vous pouvez vraiment traverser les entités et ne pas cliquer dessus. Et le clic gauche, juste pour sélectionner, pas pour se déplacer, parce que c'est une mauvaise habitude à prendre. Chaque fois, vous allez être bloqué. Là, je vais cliquer putain sur le panneau. Là, putain mince, je clique sur le mec. Enfin, voilà. Ben non, je voulais pas, mais j'ai ramassé des pierres brutes pendant que je fuyais. Enfin, bref, vous connaissez. C'est une vraie galère. Du coup, le clic droit ne permet pas de sélectionner ou de ramasser. Du coup, vraiment, utilisez le clic droit pour vous déplacer et le clic gauche pour sélectionner, cibler et attaquer les cibles. Ok, donc prenez bien l'habitude, mine de rien, entraînez-vous en donjon solo si vous n'avez pas l'habitude, mais par exemple sur les boss c'est très utile, vous faites clic droit et ça vous permet de ne pas cliquer sur le boss mais de cliquer à côté du boss justement pour esquiver son AOE. Des fois vous voyez par exemple une AOE est partout devant le boss, et bah, il faut absolument aller derrière lui, mais vu que vous cliquez sur le boss, bah, vous n'arrivez pas, vous voyez? Et bah, grâce à ça vous pourrez réussir enfin à aller derrière le boss et à être tranquille sans lui cliquer dessus et galérer. Voilà, ça c'était vraiment une vidéo hyper importante. Partagez-la parce que vraiment, ça aide beaucoup trop de gens. Il y a beaucoup trop de gens qui ne le savent pas malheureusement encore aujourd'hui. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été vraiment grave utile. Pour les débutants, c'est juste phénoménal de savoir ça. Entraînez-vous, vraiment prenez l'habitude parce que vous ne pouvez pas jouer que au clic gauche, c'est pas possible dans Albion. Et je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt pour de prochaines vidéos et QuickView. Allez, à très vite, ciao ciao.